Salut tout le monde, c'est Steph59. Alors aujourd'hui on est ensemble pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept et je vous présente le spécial Fusion Community numéro 1 avec un nouveau concept de vidéo et de mise en place. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui je vous présente 6 nouvelles pistes jamais présentées. Donc c'est parti. Je vais vous présenter les pistes sélectionnées. Donc on va dans les favoris. Et la première piste en Fusion Community, c'est Desert Dash. Alors c'est du facile. Donc un beau petit classement mondial quand même, je suis assez content de moi. Et sur cette vidéo, il y en aura pour tout le monde. Donc ça démarre par une facile, une moyenne et après je tape sur 4 difficiles. Donc là nous sommes sur du facile. Un bon petit speedrun, comme je les aime. Donc c'est parti. 1. Go! Et là, c'est taquet taquet tout le temps. C'est du saut. Et franchement, on lâche pas l'accélérateur. Alors, un beau décor de profondeur, niveau désert, forcément. Il y a un petit peu de construction, juste ce qu'il faut. Et là, on part sur un gros gros saut. Et là on rattaque, on lâche rien. Donc, le décor en arrière-plan il est juste énorme, hein. Il y a beaucoup de pierres de poser. Ça fait assez réaliste. La ligne de course, bah je la trouve superbe. Et là on accède à la ligne d'arrivée. Donc c'était la première piste que je voulais vous présenter. Puis on passe sur une deuxième piste Fusion Community. Alors c'est Aokigahara, type trial, difficulté moyen. Pareil, un super speedrun. Et franchement là, sur celle-ci, on attaque. J'aime bien ça moi, le speedrun. 2, 1, go. Et là c'est taquet taquet, on lâche rien. Franchement ça passe super. Alors un petit décor dans les bois. Sur une ligne de course franchement bien réglée. Et on se fait super plaisir à runner là-dessus. Donc n'hésitez pas à laisser des messages sur les pistes que je vous ai présentées. Si vous avez aimé. Si vous aimez le nouveau concept de la vidéo. Sur trial.fr ou sur ma chaîne. Et là, bon, on arrive à la fin de cette deuxième piste. Donc c'était un speedrun. Hein, donc c'est taquet taquet tout le temps. Les chronos sont assez bas. Des pistes pas très longues. Et on va passer à la troisième piste. Fusion Community. Alors c'est Exo. Et là, on est dans le difficile. Pareil, une très belle piste. Bon, je suis le dernier à avoir la platine. Et là on part sur du lourd. On est parti pour 4 pistes difficiles. 1, go. Et là, bah là ça devient sérieux là. La ligne de course déjà un peu plus technique. J'aime beaucoup l'ambiance, les couleurs choisies. Et la ligne de course elle est GG. Perso j'aime bien. Hop là. Alors regardez-moi cette lune, elle est magnifique. On a vraiment une sensation d'être en hauteur. Hop là, petit salto avant. Et là, un gros saut pour accéder à la ligne d'arrivée. Avec une petite animation sympathique. Et on enchaîne sur une piste que j'avais déjà faite normalement. Et là, que je refais parce qu'elle est en Fusion Community. Alors, c'est Sin City. Et c'est du type trial, difficulté difficile. Et voilà mon replay en Fusion Community. 70e, ça fait plaisir. Alors c'est une piste à la base, si je me rappelle bien, qui avait été faite pour le concours BCC3 organisé par sur trial.fr. Et elle est passée en Fusion Community, ça fait super plaisir et c'est parti. Donc là une piste un peu technique avec du saut, un super décor. Franchement le décor en arrière-plan il est juste énorme. Il y a de la construction, il y a du travail sur cette piste. Et c'est parti.
Et là, faut grimper. Et il y a aussi de l'animation sur cette piste. Hein. Comme l'accident là avec la voiture. Et là, un gros, gros saut. Et à partir de là, bah, franchement, tout s'enchaîne nickel. On lâche rien. Faut grimper, taquer, taquer. Faut pas avoir peur d'y aller. Regardez-moi cette lune, elle est superbe. Le petit dernier saut. Et on accède à la ligne d'arrivée. Donc gros, gros, gros bravo pour cette piste. Et on enchaîne sur Heavy Steel. Toujours Fusion Community. En type trial, difficulté difficile. Pareil, une très belle piste, une très bonne ligne de course. Alors par rapport à mon niveau de jeu, on va dire ça, la ligne de course pour moi, elle représente un petit peu comme si c'était un peu de l'extrême par rapport à la ligne de course. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler sur cette piste. Hop là. Alors l'ambiance, bah, c'est chaud, chaud, chaud. Hein. On est dans une sorte de fonderie. Et là, faut grimper. Hop là. Les couleurs sont super bien choisies. La lave, les flammes, la couleur d'ambiance. Tout fait bien ressentir la chaleur qu'il peut y avoir sur cette piste. Hop là. Et là on saute. Les presses. Et ouais, il y a même les presses. Et là, le petit saut de fin pour accéder à la ligne d'arrivée de cette piste. Et ensuite, nous passons sur Easy Sazuro, toujours en Fusion Community. Une piste K8. Coucou à toi. Donc là, voilà mon classement. Je vais vous présenter le replay de cette piste qui est juste superbe. Franchement, il y a une bonne ambiance. Tout y est sur cette piste. Le décor, l'ambiance, la ligne de course. Il n'y a rien à dire. C'est parti. Go! Alors j'ai dû un peu baisser le son de la piste parce que suite au bruit de fond de la piste, la pluie, ben, même en baissant on l'entend super fort. Mais regardez-moi c'est le décor, franchement, il y a du boulot en construction. C'est pas semblant, les éclairs sont juste superbes. J'aime beaucoup, c'est le clocher de l'église là, qu'on entend. Ça fait... C'est dans l'ambiance, c'est dans l'ambiance. Et là, il faut s'apprêter à faire un gros saut pour grimper et accéder à la ligne d'arrivée de cette piste. Et on voit cette petite fin sur les maisons. Donc voilà, bah, j'espère que ces 6 pistes vous auront plu. N'hésitez pas à laisser des messages sur ma chaîne, à laisser vos commentaires. Vous pouvez également me retrouver sur le site trial.fr où je suis régulièrement dessus. À répondre à différents topics ou à présenter des pistes et des vidéos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Ne manquez pas la sortie de ma prochaine vidéo, celle qui suivra celle-ci, où je vais présenter un super concept. Et je tiens également à faire un gros coup de pub à Trial France, une team communautaire qui voit le jour sur trial.fr. Donc retrouvez ses créateurs sur le topic sur le site. Trial.fr, il y a un topic qui a été créé pour ça sur le site trial.fr et vous pourrez retrouver tous les créateurs qui participent à cette team communautaire. Alors le but c'est quoi? Bah, c'est de se partager, de se mélanger, de créer ensemble et de sortir des pistes. Donc si vous êtes créateur, si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir partager avec ça, partager ça sur le site avec nous. Ça nous fera super plaisir. Quant à moi, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, je vous dis à bientôt les petits loulous sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Allez, bye bye!